Bonjour. Bonjour Loïc. Rendez-vous en marchant en bord de Marne avec Catherine Thibault, avec un X, A-U-X. Sous le soleil. Sous le soleil. Alors Catherine, tu es une spécialiste du mentoring, toi. Oui. Et c'est quoi le mentoring? Alors, c'est très simple. C'est une relation d'aide désintéressée entre deux personnes, dont l'une est appelée mentor et l'autre mentorée. Le mentor est un peu plus expérimenté, le junior a des questions à poser. Ils se rencontrent à raison de, par exemple, un rendez-vous par mois pendant 6 mois. D'accord. Et le mentoré, eh bien, évoque ses questions, ses doutes, ils font du brainstorming, ils échangent. Et au travers de ces conversations, le but, c'est que le mentoré se sente aidé dans sa vie professionnelle. Ah là, j'allais dire quel est l'objectif, hein. C'est ça, c'est que le mentoré soit aidé et puisse progresser dans sa vie professionnelle. C'est souvent des jeunes qui sont mentorés, mais pas que. Oui, hein. pas que. Il y a même du reverse mentoring, c'est-à-dire des anciens qui sont mentorés par des jeunes geeks, par exemple. Oui, oui. Bah oui, dans le domaine, dans mon domaine, le domaine des réseaux sociaux, du social selling, c'est souvent le cas. Ok, alors est-ce que tu aurais 3 conseils ou 3 suggestions à donner à ceux qui s'intéressent au mentoring et notamment aux entreprises, hein? Oui, alors déjà on va parler peut-être aux mentorés, oui, parce d'accord. que c'est à leur bénéfice. Oui. Donc la première chose, c'est de réfléchir à leur parcours et de prendre le temps de qualifier leurs questions. Mm-hmm. C'est qu'est-ce qui est important pour eux aujourd'hui, pourquoi le mentor va apporter son aide. D'accord. Après, c'est de prendre le temps de bien l'exprimer. Qu'est-ce que je vais, comment je vais l'expliquer au mentor? Quelle situation concrète montre le sujet que je veux vraiment travailler? Et ensuite, pour les deux, mentor et mentoré, je dirais c'est une question de posture, c'est-à-dire se faire confiance, être dans une relation d'adulte à adulte et dans une posture d'écoute, de respect mutuel. Bien évidemment, le mentoré garde son libre arbitre. Oui. Et voilà, le mentor, il a un rôle d'écoute, de générosité dans le partage d'expériences. Et c'est tout. D'accord, d'accord. C'est aussi simple que ça. Bon, alors dis-moi, toi, tu es une spécialiste. Donc, d'ailleurs, tu apportes des services. À qui tu apportes tes services, toi, aux entreprises? Alors, qu'est-ce moi, que tu j'apporte fais, toi mes services, en effet, aux entreprises qui veulent mettre en place. Alors, entreprises, pas seulement entreprises, associations, collectivités territoriales, réseaux d'alumni, réseaux d'entrepreneurs, réseaux de femmes. Donc, mon service, c'est de conseiller sur la stratégie de mise en place de programmes de mentoring. Hein. C'est aussi de former les mentors et les mentorés. Et puis, c'est d'évaluer le programme et de rester en pipeline à peu près tout au long du programme. Voilà, ce qu'on en plus, tu as fait un bouquin. Regarde, tu l'as dans la main. D'ailleurs, montre ton bouquin. Là. Montre. Attends, comme ça. Attends, on va le voir. Est-ce qu'on le voit ici? Voilà, on le voit bien. Hein, voilà. Parle de quoi, ton bouquin? Alors, c'est les clés d'un mentoring réussi. Et j'ai écrit ce livre parce que j'ai recueilli tellement de témoignages délicats, sensibles, positifs sur les expériences de mentoring des uns et des autres que j'ai voulu le faire partager au plus grand nombre. Moi, mon ambition, c'est que la culture de mentoring se démocratise et que chacun puisse accéder à ce type de soutien empathique. Qu'il y a un grand vent de mentoring qui voilà. souffle dans les entreprises, comme il y en a un qui est en train de nous souffler là, en bord de Marne, en cette fin d'après-midi. Où il fait un temps magnifique ici. Voilà, bah écoutez, merci Catherine Thibault. Merci à toi. Que vous retrouvez également sur LinkedIn, évidemment, hein, mes réseaux sociaux obligent. Vous la retrouvez aussi d'ailleurs à Vivre et Entreprendre en Vallée de la Marne, l'association dont nous sommes tous les deux des membres actifs, même d'ailleurs des membres du conseil d'administration maintenant. Alors d'ailleurs, venez à Vivre et Entreprendre aussi. Donc Catherine Thibault, Vivre et Entreprendre en Vallée de la Marne. Bonne journée à tous. Et au revoir. Au revoir.